In modern Russia, dans la Russie moderne, c'est devenu effrayant de penser autrement que le reste de la société, d'exprimer une autre opinion. Une amie m'a dit, écoute, tu as une odeur bizarre, laisse-moi te donner du déodorant ou un autre truc. Je suis montée dans le train, je me suis assise à ma place, puis j'ai été aux toilettes. J'en ai profité pour me nettoyer un peu, et je me suis rendu compte que je transpirais beaucoup et que oui, j'avais une odeur étrange. Un ami de Moscou m'a conseillé un médecin. Il m'a dit « parle-lui ». Je lui ai envoyé les photos. Il était horrifié. Il m'a dit « mais quel cauchemar, tu as été empoisonné ». L'empoisonnement ? Mais je n'y avais même pas pensé. Pas du tout. Toutes ces journalistes brillantes sont parties à l'étranger. Cela signifie que les services de renseignement russes sont toujours en capacité de mener de telles attaques contre leurs adversaires. Si le vol avait été un peu plus long et qu'il ne l'avait pas fait atterrir si soudainement, les choses auraient pu se passer différemment. Nous sommes en contact avec le consulat de Russie situé à Calcutta et ils nous aident pour tenter d'avoir une enquête complète. Le pouvoir russe n'est pas une oligarchie, c'est une dictature. Et les oligarques ne sont pas vraiment oligarques, mais des agents du Kremlin qui sont utilisés par le Kremlin comme des outils. Ils ne peuvent pas influencer un dictateur. Ça ne marche pas comme ça. Thank you.